Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien les amis. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur une petite vidéo ainsi. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube l'ami, où je veux faire un quiz sur le foot. Et aujourd'hui j'ai pris comme quoi les stars du foot sur Kipo Quiz les amis. Si les gens la rêvent, c'est bien de McFly et Kaleto sur leur site, ouais voilà. Et aujourd'hui on va faire ce test l'ami, on va voir si je suis un connaisseur des stars de foot. N'hésitez pas avant, les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit, à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications et à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir autant, les amis. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à voir la vidéo? Attention, lance le générique! Jingle! Et donc, vous l'avez, on est de retour, voilà, vous l'avez vu, on est de retour, et on va commencer avec la première question, c'est parti, on est parti. Pelé détient le record du plus grand nombre de buts dans une phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Ah oui, c'est un vrai ou faux, hein. Eh ben, moi, je vais être honnête avec vous, je dirais vrai. Non! Oh non, mais... Putain, allez, une mauvaise réponse, ça commence déjà mal, les gars. C'est parti, Oleg Salenko a marqué 5 buts dans un match de la Coupe du Monde. Eh ben, moi, je vais dire... faux. Mais c'était vrai! Mais putain! Oh! Et le transfert du joueur le plus cher de l'histoire de Galatasaray a été celui. Et je dirais vrai. C'est la bonne réponse! Enfin! Troisième question! Le premier but de la Coupe du Monde a été marqué par un Français. Faux! Non, mais c'était vrai! C'est chiant, les gars. Je suis malade, les gars. Attention, l'Égyptien Esman El Agari est le joueur le plus âgé de l'histoire. Oui, c'est la bonne réponse! En 2006, Lionel Messi a aidé l'Argentine à remporter la Coupe du Monde 2006. Faux! C'est la bonne réponse, oui! Oui! Il a participé! Cristiano Ronaldo est le joueur de soccer le mieux payé au monde. Je dirais faux. Oh, c'est la bonne réponse! J'ai dit la bonne réponse, voilà. Et le joueur le mieux payé au monde avec 127 millions de dollars US en 2008. Et Ronaldo arrive deuxième avec 109 millions d'euros US. Allez, huitième question, attention. Aucun gardien n'a remporté le titre du meilleur joueur du tournoi de la Coupe du Monde. Alors, moi je dirais vrai. Ah non, Stéphane, non! En 1986, le brio a permis au Brésil de remporter... Non, faux. Non, c'était eux qui avaient gagné, c'était l'Argentine. A été le meilleur joueur, bien sûr. Il a aidé son pays. Et non pas le Brésil, oui. Le nom de Galatasaray vient du nom de son créateur. Je dirais faux. Oh, c'est la bonne réponse, les amis. Et j'ai eu combien, les amis? Un petit 6 sur 10. Ah, ben ça va. Les amis, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a énormément plu, les amis. J'espère que vous avez énormément aimé la vidéo, les amis. Si vous aussi voulez tester, je mettrai le lien en description de la vidéo. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok qui était juste ici, voilà, les amis. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a énormément plu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications et à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les amis. Et sur ce, les amis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était les débriefs de Monsieur AB. Pour vous servir, double ciao et surtout, vive le sport, vive le football et vive la bonne humeur. Tchuss!